Bonjour à tous, aujourd'hui une petite salutation du soleil pour bien commencer la journée. Il fait beau, c'est le week-end. Alors, vous avez besoin d'un tapis de gym et c'est tout. On se met au début de notre tapis, ancrez-vous bien au sol, inspirez en lèvant les bras, joignez les deux mains au-dessus de votre tête, plongez en arrière et expirez, ouvrez les bras et relâchez les. Maintenant, on recule avec la jambe droite en arrière. On lève le buste, lèvez votre bras gauche et on place la main gauche à côté du pied gauche. Reculez avec le pied gauche et poussez les hanches en arrière, chien de l'ombre. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale pour une première. Placez les genoux au sol et descendre en bilan. Placez les hanches, ramenez les épaules en arrière, en cobra ici, sortez la tête de vos épaules, à nouveau sur les orteils, expirez, poussez les hanches en arrière, exemple de jambes, fléchissez la jambe et avancez les pieds droits, lèvez votre main droite, main droite au sol. Et on avance les pieds gauche pour dérouler. Inspirez à nouveau, loin, 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 loin. Et j'expire, je relâche. Alors, la jambe gauche en arrière. Regardez si votre genou est bien aligné avec la cheville pour éviter les charges au genou. Lèvez votre bras droit. Expirez, main droite au sol. Reculez la jambe droite, chien de dalma, et très fluide de jambe, la colonne vertébrale. Si vous optez avec une descente jambe tendue, en crocodile, stabilisez bien le centre, gagnez les abdominaux, attardez un peu avant le sol, levez le dos, les pieds au sol, j'inspire chien de dalma. Et les pouces les hanches en arrière, flexionnant les deux jambes, pied gauche en avant. Je lève les bras gauche et j'expire. Main gauche au sol, avancez le pied droit et on déroule. Maintenant vous connaissez l'enchaînement, on plonge en arrière, on expire, on relâche. À nouveau, les pieds droits en arrière. Inspirez les vies fluides aujourd'hui, les bras gauche. Expirez, main gauche au sol. Poussez les hanches en arrière. Inspirez, on déroule la colonne vertébrale. Expirez, on descend. On arrête avant le sol, dos des pieds au sol. Et inspirez, pour une chienne de dos, la tête loin des épaules. Expirez, chienne de dos en bas. Flexionnez les deux jambes, pied droit entre les deux mains. Lèvez votre bras droit. Droite au sol. On avance et on déroule. Loin, loin, loin de l'arrière. Expirez en descend. Les pieds gauche en arrière. On lève les bras droite vers le bas. Expirez au sol. J'inspire ici et expirez en chien de dalma. Excellent, étirement pour les dos et pour les jambiers. J'inspire, j'avance. C'est trop dur. Bien sûr, vous posez les genoux au sol. Vous avez toujours cette option. Vous pouvez rester toujours en cobra ici. Chien de down. En arrière. Flexion, pied droite, à gauche, pardon, entre les deux mains. J'inspire, je lève les bras gauche. Et j'expire. Sol, avancez. Et on déroule. Descend, pied gauche. Arrière. Les bras droits. J'expire, je descends. Les hanches en arrière.
puissant. Inspire, chien de dos. Et expire. Flexe main et le jambe pied pour gauche entre les mains. Inspirez en planche, expirez en descend, et j'inspire, je sors la tête de mes épaules. Expirez en arrière, flexez dans les deux jambes, pied droite, en dessous des mains, enlève les bras droite, en descend, on avance, et enfin, dernière, même chose qu'on a fait une fois à terminer aujourd'hui. Une fois on a fait deux fois la suite à gauche, deux fois la suite à droite. Allez, à nouveau la jambe droite en arrière. Pour une dernière, inspirez, lèvez les bras. Gauche, mets le soleil au sol. En arrière. Et en avant. Flexion et pied droit entre les deux mains. On lève à nouveau les bras droits. Main droite au sol. Avancez. Déroulez une dernière fois. Ouvrez les bras. Et je vous remercie. J'espère que ça vous avait fait du bien. Commencez bien votre journée. Ça oxygène. Ça étire, on peut mieux commencer la journée. À la prochaine fois, aujourd'hui, bye bye.